tout le monde, c'est Léon, on est parti sur le cinquième épisode sur Super Princess Peach, et là on va aller à la plage ondulée tranquillement, donc sans problème, sans blême, on continue, toujours les Koopas, les gentils Koopas, les fiches, ils sont sympas, donc là on commence déjà un petit truc ici, ça a l'air sympa. J'ai pas sauté assez haut. J'ai pas sauté assez haut. Oh bah. Bon, tant pis. J'ai cru que ça serait passé, mais... Mais finalement, ça ne passe pas. Et en plus, je tombe dans le vide. Hein. Pas de problème, pas de problème. Bon, ça va, il y a des billeballs. Ok, d'accord, bon. Faut monter. Bon bah, petite plateforme. On y va. C'est pas passé loin, dis donc. Bah... C'est pas juste pour des pièces, j'espère. J'ai l'impression que c'est juste pour des pièces. Bon, bah, tant pis, hein. Les pièces, on aime ça. On en a 50 000, mais c'est pas grave. Dans ce jeu, c'est pas les pièces qui manquent, hein. Vraiment. Ouais, bah, c'est ça. C'était juste pour des pièces, bon. Il y a les petites vagues, on a l'impression que c'est les vacances. Mais c'est les vacances, mais c'est pas les vacances d'été pour l'instant, donc... Donc il y a des choses qui arrivent, il y a les devoirs qu'il faut commencer à faire, il y a les concours à préparer s'il y en a pour certains, il y a tout ça qui est sympa. Ok, on pleure. La dune de sable est vraiment... triste. J'ai détruit le château de sable. Ça sera le petit enfant qui pleurera dans la plage. Bon, c'est pas grave. Ok, bon. D'accord. Bon. Bah. Du coup, il y a des murs d'eau. Il faudrait penser à les retirer. Bon, c'était juste pour des pièces, encore une fois. Bon, c'est pas les pièces qui manquent. Mais crève! Non, mais on... Elle veut pas que je lui saute dessus, hein. Clairement. Non, je sauterai pas dessus. Aujourd'hui, je suis pas... Voilà, il me saoulait un peu, là. Donc, je les destroy. Ça va aller mieux. Ok, bon, ça va être... Va falloir monter sur les flèches, sauter, monter, je pense. Bon, ça va... Ça a pas l'air compliqué. Faut juste pas que je tombe tout en bas, c'est juste ça. Ah, je suis tombé tout en bas. Ça m'a l'air chaud d'aller tout en haut là. Va falloir spammer le bouton là. Non mais t'es sérieux? Non mais je suis pas sérieux là. J'arrive pas à monter sur Bon bah je vais finir par crever je pense. J'espère pas.
J'espère vraiment pas. Mais c'est la cata là, c'est vraiment la cata. J'arrive pas à monter sur ces flèches, c'est vraiment... C'est vraiment pas droit tout ça. Bah voilà, c'était pas compliqué. Thanks. Les voix anglaises pour Toad, évidemment. Faut encore que je me retape le tout. Plus avec le sac. Chaque fois qu'il y a un cœur, ils se sont dit on va les faire chier avec ce principe de timide. Je sais, j'ai pas d'énergie. Oula. Il a failli m'avoir ce truc. Il m'a eu ce truc. Oh là 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 là, ça a l'air chaud tout ça. Zut! Du coup, faut que je recommence tout, c'est ça? Ouais, non, ça va. Bon. Allez, on va y arriver. Pas trop de problèmes. Sans les Toads, il suffit de rusher et puis ça passe. Habituellement. Il y a juste encore le chemin des flèches qui va être roulou. Allez. Normalement, ça devrait passer. C'est pas si compliqué que ça. On y passe, on y va. Prends pas les pièces, y a pas besoin. Tout en crève direct. Avant même d'avoir commencé. C'est à cause de lui que je suis si mal en fait. Ah bah là, on... C'est pas terrible, mais... Bon, on va y arriver, on va y arriver. Tout simplement, c'est pas si... très fier que ça. Il y a juste les 1K qui ont décidé de balancer leurs flèches automatiques dans ces méchants trucs là. Allez, encore une flèche. Encore une. Ça m'étonne que je me sois pas fait toucher. C'est tout aussi mieux comme ça. Alors toi, je vais pas me faire avoir deux fois par le monstre. Et je me suis fait avoir deux fois par le même monstre. Cool. Même trois fois par le même monstre. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. J'espère qu'ils ont pas respawné. Non, mais là, il m'a vraiment trollé. T'es atroce. Voilà! Thank you! Je suis un Toad et toi tu es mon Toad et toi tu es un Toad! Bon, rentrons. On fait. Ah, d'accord, c'est un scrolling. Bon, bah, je pourrais pas voir si c'était tout, mais je pense que. J'espère que ça sera tout dans cette zone. Voilà, t'es un peu roulou toi.
J'étais un peu coincé. Bon, j'aurais pu utiliser mon émotion de flamme, je pense, pour le tuer, mais bon. J'espère que j'ai rien loupé. Oh non, ça me semble pas que j'ai loupé quoi que ce soit. Mais... La zombie, il y a un truc. À check. Et il y avait rien. C'est pas grave. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Alors toi, tu pleures, mais moi je suis en colère, tu vois. Donc, il y a eu trop de faillites déjà pour le premier niveau. Vous obtenez la partition de Volcaron Furax, ok, bon. On peut tous les écouter à partir de grand titre. Champi champignon, bon, ça va. Peach! Ah oui, ce truc c'est assez sympa, faut frapper les... Je pense qu'il y aura des trucs à faire avec, mais pour l'instant... Moi je dis qu'il semble y avoir un truc ici, donc je vais... Je vais y aller, je vais spammer le bouton... Wouah, c'est quoi ce nombre de... C'est quoi ce nombre de trucs là? C'est pas logique. Il est pas censé y avoir autant de trucs là. Bon allez. Ok, bon. Bah, je sais pas à quoi ça sert ce truc, mais... Mais bon. C'est pas grave. Bon, oh non. Je fais n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. C'était pour avoir le petit bruit pour vous empêter, je pense. Non, 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 non. Alors là, non. Je recommence partout. C'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin, mais bon, là je suis reparti. Ouais, je suis quasiment neuf là. Il semblerait qu'il y a un truc ici à faire. Je vais y aller. Maintenant que je suis tout neuf. Ça peut-être? Oh là là. Bon, j'ai dépensé toute mon énergie pour rien. J'étais trop pressé, du coup j'ai perdu du temps. Allez, c'est pas grave. Mario est trop chiant de temps de chercher par des Bowser. Soufflez dans le micro. D'accord. Je sens que... La coupure arrive. Je sens que la coupure arrive. Hein. Pour régler mes touches de micro parce que... Ouais bon. Bon, re. Donc, j'ai réussi à mettre la touche pour souffler sur
sur OpenMU, donc c'est très simple. Si vous voulez un petit tuto, c'est facile à faire. Ça prend quoi, 30 secondes. Donc voilà, si vous voulez que je vous dise comment faire, c'est pour vous, mais bon. Je pense que vous n'êtes pas débile au point de ne pas savoir le faire. Donc, voilà. Je vais pas vous en faire un dans l'immédiat, mais si vous demandez, je suis prêt à tout, à toute discussion, vraiment. Bon, les Champlay, ils commencent à bien faire là. Ok. Bon. Avec eux, faut pas être pressé, j'ai l'impression. Hein. Donc on va être un joueur tranquillement. J'aurais dû le placer en autre endroit en fait finalement. Quoique... Ouais, j'aurais dû déplacer ma touche d'accélération déjà parce que je m'en sers pas dans ce jeu là. Et mettre le micro à la place, mais bon, c'est pas grave, je ferai ça d'ici le prochain épisode. Ou s'il y a une pause. Allez, toi tu te rabaisses là, tu te rabaisses. Voilà. La pièce est tombée dans le vide, c'est pas grave. Ok, donc ça c'est pour y aller. Ah oui, cet endroit. Je crois que c'est cet endroit. Ouais, mes souvenirs ne m'ont pas trompé, c'est cool. Puzzle C pièce 5, bon, bah cool. Franchement, faut tous se les faire, donc plus c'est assez roulou parce que à la base ils ont bien fait leur truc. Bon, bah voilà, là je sais où est le Toad, au moins. Pour le moins. Bon, ça me semble être la fin ici, donc je vais pas y aller tout de suite, je vais plutôt essayer de voir ce qu'il y a là. Ouais, bah c'était la fin, donc je me suis pas fait avoir. Plus si je saute sur le bouton, ah oui, je saute sur mon clavier et je programme des comme ça, hein, ne vous inquiétez pas. D'un autre côté, c'est facile de programmer, hein. Bon, du coup, on y va, on tombe. Un peu de joie, un peu de bonne humeur, et on y va. Là. Ok. Je trouve ça un peu débile de pas pouvoir utiliser les émotions sur l'eau, mais bon. Sachant que si vous utilisez vos émotions hors de l'eau et que vous revenez dans l'eau, vous les avez. Hein. Attends, c'était juste pour ça. C'est du troll, hein. Sachant qu'on peut faire ça. Champignons. Ok, aujourd'hui c'est que des champignons. Hein. Bon allez. Là c'est vraiment... C'était que pour des pièces? D'accord, bon. Bah c'était que pour des pièces.
Et pour passer occasionnellement, mais bon. Là, y a rien en bas, je pense. Pas besoin de sauter dans le vide comme un gros malade. Ah oui, d'accord, faut les frapper deux fois pour qu'ils... Mauvais souvenir en avant, je sais plus... Ah oui, je sais. Je sais pourquoi mauvais souvenir. C'était vraiment relou. Et je sais... Et j'ai pas vu ce que j'ai débloqué, cool. C'est ça... Ah oui, mauvais souvenir en avant. Oh, attends, mais ça m'a pas l'air si compliqué que ça. Je me baisse. D'accord, je me suis planté. Je suis tombé dans le vide. La totale. Bon, un peu de joie et de bonne humeur. Dans ce monde de tristesse et d'agonie. Attendez, j'arrive pas à sauter plus haut que ça. J'ai dû flipper un peu pour rien. Donc. Je commence à comprendre pourquoi j'avais galéré ici. Allez, viens, petite flèche. D'accord, donc il faut que je cours sur la flèche, que je saute. Pour pouvoir atteindre le truc. Si je me plante dans mon sou, c'est mort. Il y a encore une flèche. Bon, finalement, c'était pas si terrifiant que ça. On va attendre qu'une nouvelle flèche arrive pour essayer de sauter dessus comme un malade. Avec de la chance, ça va marcher, hein. Avec de la chance, peut-être que ça va marcher. Et non, puisque il n'y a pas le spawn de flèche. Et oui, je suis pas très bon, moi. Ah, les flèches ne spawnent pas quand je suis pas là, évidemment. Ce serait trop simple, sinon. D'accord, donc ça c'était un raccourci. Pourquoi zut de bon sang de... Ouais, bon, bref. Mais... Je passe... C'est pas censé se passer comme ça, là. Ouais, j'ai skippé la moitié du donjon, donc... du niveau, pas donjon. Je sais pas dans quel jeu je suis, mais c'est pas Super Princess Peach, hein. Si j'appelle ça un donjon... Pourquoi j'ai skippé la moitié du truc comme ça? Mais sérieux? C'est quoi ce raccourci de la mort, là? Bon... Ah oui, lol quoi. J'ai pris le mauvais truc et du coup je... La. Je skip la moitié du truc, je tombe comme un noob. Je me fais mal sur une flèche, tout qui ne va pas, hein. Ouais, c'est pas passé loin, hein. J'aurais dû aller là, déjà. Tout ça juste pour une pièce de puzzle, hein. Bon, maintenant, je vais prendre le chemin... Le bon chemin. Ouais, je pense que j'espère... Ouais, bah le bon chemin, c'était tombé dans le vide.
C'est bon, c'est plus rapide. Bon allez, j'espère que j'aurai fait un accéléré au moins ici, si je trouve ça long. Bon allez, toi le Toad, tu t'es libéré, ça c'est cool, vous avez sauvé un Toad. Il dit thanks parce que il sait pas parler français, hein, évidemment. Il est... Tout le monde sait que Toad c'est un américain. Hein. Regardez la couleur déjà. Il est rouge avec des points blancs. Ça ne correspond pas du tout au drapeau du Japon par exemple. Donc voilà. Tout le monde sait que Toad est américain. Ça se voit tout simplement aux couleurs qu'il a. Normalement, je suis censé avoir libéré un Toad. Bah oui, j'ai libéré un Toad. Qu'est-ce que je raconte? Bon, là, je vais pouvoir skipper comme un malade. Étant donné que j'ai rien. Ouais, semble pas qu'il y ait quelque chose, hein. Il y a pas de tuyau. J'avais oublié que j'avais pas d'énergie. Sinon, j'aurais pu continuer à... ça un peu long de devoir descendre tout pour skipper les ennemis. Bon, donc je les gobe, hein, tout simplement. L'assassin, c'est vraiment un assassin ce mec. Toujours encore. Toujours, je sais pas parler. Bon, bah, j'ai pu passer grâce à toi. Hein. Je m'excuse d'avoir désiré te faire. Attendez, mais c'est nappe. C'est quoi cette plante de malade? Non! Bon, donc, on est reparti, donc... Je me suis un peu fait le niveau en entier, mais c'est pas grave. Alors que j'étais si proche de finir, je pense. Bah, c'est un petit train là. Niveau classe supérieure, c'est pas grave. Et là, il fallait prendre le nuage. C'est pas grave. Encore une fois, on est là pour pleurer. Hein. On n'est pas là pour jouer, on est là pour pleurer, évidemment. Vous avez sauvé un Toad. C'est un peu con de... De finir si proche du but. Hein. Bon, allez. Là, ce qui est cool, c'est que je pose pas mes... Le bouton de... D'accord, je peux pas tuer les beeballs. C'est une... Voilà là, je veux surtout pas crever là. Si je crève, je suis encore obligé de me retaper tout niveau. Ça me plairait pas, vous voyez. Hein. Bon, normalement, je vais essayer d'éviter de me prendre des fiche qui se balade dans l'eau là, comme ça on sait pas ce qu'ils foutent dans l'eau les poissons. Moi ça m'énerve qu'il y ait des poissons dans l'eau. Ils sont pas censés être dans l'eau, hein, les poissons, évidemment. Et je sais pas pourquoi un parapluie se transforme en
Sous-marin, sous-marin, un sous-marin. Sous-marin, dit-on. Donc ici, c'est pour revenir en arrière. Bon, un peu de joie et de bonne humeur pour finir ce niveau. Pas en colère. D'accord, bon, bah, je me suis planté et du coup, je me retarde tout ça. Allez. Mais non, mais je suis passé au travers de la plateforme. Y a un problème là. Je suis passé au travers de la plateforme. Allez, une petite fleur, c'est pas grave. Peach, elle est lourde, du coup, elle casse les plateformes. Son poids, c'est un peu chiant. Bon, allez, je vais voir ce que je peux avoir à la boutique. Bon, normalement, avec cette barre d'énergie, je devrais pas avoir trop de problèmes. Voilà, on achète des petites musiques pour terminer. Les achats. Tout le camp Furax. Il y en a 50 000 de musique. On a plus que 9 pièces, pas grave. Ok, donc je sais pas. Je pense qu'il va falloir que je prenne le truc. Donc. Toi, t'es un peu roulou, tu sais. Bon, c'est pas grave. Je vais y aller à la mode nuage keep. C'est pas grave. J'ai loupé un truc là. C'est par ici. Encore une pièce de puzzle. Bon bah puzzle pièce C. Bon bah je crois qu'il y a 8 pièces de puzzle par niveau, mais je suis plus sûr. Normalement il aurait dû être cassé. Là ça se voyait un peu, c'était gros comme une maison, il y avait une petite plateforme. Ok, donc ah oui, ma barre d'énergie elle est quand même assez grosse. Ça va me permettre de pouvoir moins fail, j'espère. Ce qui est cool, c'est que il y a un petit aspect niveau grâce à ça, donc c'est sympa, mais bon. Quand je joue au jeu de plateforme, c'est pas pour farmer des niveaux ou des pièces. Hein. C'est pas pour farmer des vies aussi, pour avoir 99 vies sur Mario, évidemment, aussi. C'est pareil, c'est du même niveau. Ok, donc là, je suis censé apparaître là, évidemment. Ouais, c'était bien ça. Thanks. Du coup, ça doit être tout ce que c'est, donc un peu d'esquive par les airs. Ok. Quel est chiant. Ils sont vraiment chiants, ces chiens. Moi, j'aime pas les chiens. Surtout quand ils sont. Surtout quand ils sont carrés. Moi, je les préfère ronds comme les chiens. Mais la forme ronde, elle est un peu. Elle est un peu mignonne et donc. Elle a été reprise plusieurs fois, par exemple, dans Link's Awakening, il y a des petits trucs marrants. Vive les chomps, moi je dis, vive les chomps. Okay.
faut y ait des niveaux simples. Je dois arriver à la fin, non? Quelque part par là. C'est bizarre, j'ai pas vu de... J'ai pas vu de pièce de musique, là. Les musiques. Donc ça devrait arriver, j'espère. J'ai pas vu les musiques de ce monde. Bon. Ça me semble être ça. D'accord. Ok. Ça doit être là le tuyau, non? Oh, y a pas de problème. Ah oui, quand on frappe plusieurs fois, on a plus de pièces aussi. J'avais pas remarqué. Bon bah, ça c'est un nouvel ennemi. Bon, les canons, ils balancent des boulets de canon, hein, évidemment. C'est trivial. Bon, ça aura servi juste pour des pièces. Encore une fois. Voilà, il balance des boulets de canon comme ça et je m'en prends un évidemment pour montrer. C'est pas du tout volontaire. Ok, 30 pièces. Parce que faut pas abuser, moi j'ai pas envie de me taper des tremblements durant tout le long et du coup j'ai encore perdu les... Bon, c'est pas grave. Il y a toujours l'émotion du chant, évidemment. Après il y a l'émotion de la joie. Bon. C'est pas tout ça, mais... On peut pas entrer dans les tuyaux avec des émotions. C'est un peu bête, mais bon. C'est pas grave. Allez, on skip un maximum. On évite les tombes. Heureusement que c'était pas le vide ici. On est reparti, je pense, pour un niveau... aquatique. On a la petite flèche pour montrer qu'il y a un truc là-haut. Oh, c'est ça, c'est bien fait. C'est du troll puissance 2. Donc ça veut dire encore une fois les flèches. Hein. On est habitué à ce genre de truc. Aïe, c'est les tombes. Attendez. Là, moi, je dis, il y a un truc en haut, donc... ça doit sûrement être ça. Juste... Comment on y va? Comment on y va? Sérieusement. Bah, comme ça, suffisait de... demander. Bon bah finalement j'aurais pas galéré sur cet endroit, c'est... Je me rappelle que dans mes souvenirs je crois que j'ai beaucoup plus galéré que ça ici. Bon c'est pas grave. Le tombe, je sais pas si je l'ai endormi ou pas. Je crois que pour les ennemis endormis il faudra que je vois mais... En fait non, je m'en fiche. Juste du glossaire en fait.
Voilà, le glossaire il est assez sympa à remplir, mais. Mais bon, je trouve qu'il est un peu hard à remplir sur la fin. Particulier pour un ennemi assez particulier qui suffit dès que vous le voyez. En gros, faut vraiment run, run, run. Et ça sert où? Zut, je comptais. Encore une fois, je me plante de boutons, c'est pas grave. Ouais. Il n'y a pas de cœur. Ah ouais, il y a plusieurs. Il y a plusieurs endroits ici. J'espère que je vais rien nous payer dans le. Dans les mondes aquatiques parce qu'on peut avoir des tonnes, on peut avoir des pièces de puzzle, on peut avoir. On peut avoir tout en fait dans. Ces mondes aquatiques. Je pense pas que j'ai vu le point d'exclamation. On y va, pas de problème. Ouah, il y en a deux! Alors, toi, tu crèves. Comme ça, je suis tranquille. Après, toi, je te vois bien en enfer ici. Voilà, c'était chaud, mais bon, j'y suis arrivé. Allez, je saute. Normalement, il doit y avoir un truc pour. Pourquoi il y a un truc ici? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, il y avait un bloc qui était caché là-dedans. Bon, bah cool. D'un autre côté. Il pouvait pas y avoir autre chose, hein, je pense. Étant donné que l'eau, c'était de l'eau bloquante. Bon, encore un niveau aquatique. Franchement, des niveaux sympas ici. On est à la moitié du jeu et le jeu nous surprend encore dans le gameplay. Il est vraiment. Est vraiment bien foutu, je trouve. Vraiment bien foutu. Même si bon, ça se fait facilement. Y avait un. J'espère pas scrolling. Ouais, il y avait un truc ici. J'ai failli le louper, donc je pense que ça va être là. Bon, allez. Ouais, non, en fait, ça sert à rien d'être comme ça, donc. À moins qu'il y ait un truc là. Ah, ça c'était coquin. Mais bon, c'était évident encore une fois. Heureusement que j'ai une 50 000 énergie, c'est plus sympa comme ça, je trouve. Ça me permet de. De mieux gérer les trucs. Un toad, bon, c'était le dernier toad. Donc. Plus là, comme d'habitude, j'allais avoir un truc sympa avec la boîte, je pense. Une petite énigme. Non! Je rêve ou? Oui! Alors je jure que je. Solennellement que je fais le glossaire complet et que je fais ce jeu à 100%. Un vieil ennemi vous attend quelque part sur l'île des émotions. Il ressemble à une étoile. On l'a vu à plusieurs endroits. Le bois de houe, la. Oui! Non! Sérieux! Mon rêve d'enfance! Sur ce jeu! Mon rêve d'enfance sur ce jeu! Oui! Non! Oui, oui, je deviens complètement dingue.
Je deviens complètement dingue. Oui. J'y crois pas. Attendez. Est-ce que je rêve ou... Est-ce que je rêve ou... Est-ce que je rêve ou... Oh, il est bien. Attendez, il est où? Il est où? Je veux vérifier qu'il soit bien là. Je veux vérifier qu'il soit bien là. Il est où? Il est où? Il est où? Je veux le voir. Je veux le voir. Il est où? Il est où? Il est où? Attendez, mais... Mais il est où? Il est où? Ne me dis pas qu'il me l'a pas compté parce qu'il dormait! Ne me dis pas qu'il a pas compté parce que je dormais! Parce qu'il dormait! Non! Sérieux? Mauvais joueur! Sérieux! Bon, allez! Je vais essayer de me démerder avec ce niveau! Allez, vite, vite, vite! Avant que je crève! J'ai pas compris! J'ai pas compris là! Ça me saoule clairement! Il me l'a pas compté parce qu'il dormait! Non, mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Ce monstre, il est quasiment impossible à avoir et. Il me le compte pas, sérieux! J'aurais dû le réveiller avant de le frapper, non mais... Vite! Bon allez! Je vais y arriver... Ça va pas durer des plombes, j'espère! Allez! C'est bon, j'ai commencé à maîtriser ce mini-jeu là. Je pense qu'en fait, il n'y a que le mini-jeu des rochers que je peux pas faire sur... Mais non, je me suis pris... Je pensais pas que la barre elle... de la flèche, elle comptait, lol. Bon, bah... On est reparti, on va y arriver dans ce mini-jeu, j'espère. Si je me plante encore une fois, ça sera une coupure, c'est pas grave. Bon. Donc on est parti, ça m'énerve un... Désolé, ça m'énerve un peu ce truc de glossaire qui ne prend pas en compte le monstre parce qu'il dormait, mais sérieux là. Bon, en tout cas là c'est Bloops et le Bloops, je l'ai vraiment adoré sur Shine le Bloops. En fait, à chaque fois j'ai l'impression qu'il a un gameplay assez sympathique, assez original, propre à lui. Quel là les boss dans ce monde ont... sont assez sympas. Bon, normalement les tâches elles sont censées partir avec de l'eau,
Ouah, mais c'est lent ce truc. Mais non, mais pourquoi il les a ramenés? Il est pas censé les ramener ces trucs. Non, tu me rattrapes pas là. Voilà. Je suis pas. Je suis pas fait pour me faire rattraper comme ça là. Faut pas plaisanter. Mais non, mais. Je crois que je suis sorti. Sérieusement, il est. Ah, mais c'est tout con, tout bête. Bon allez, on est reparti, on va y arriver. Ce boss c'est pas si compliqué que ça en soi. Voilà, il est pas compliqué, c'est. Je crois que la suite est légèrement plus compliquée en fait. C'est les boss en deux phases à chaque fois, je pense. Sauf. Sauf Bowser qui doit être en 10 000. Je me rappelle plus de du boss de Bowser, hein, clairement. Bon, allez, régénération au max. Ah oui, là faut vite. Il y a un moment où faut avoir absolument son énergie parce que sinon c'est mort, il regagne toute sa vie. Je crois que c'est quand il a un seul. Voilà, là ça va être là. Voilà, faut absolument péter sa bulle avec du feu, sinon vous êtes. Obligé de recommencer le niveau en truc en entier. Là il dégueulasse tout, c'est vraiment un bloops dégueulasse. Il est dégueulasse ce bloops. Bon bah finalement il sera passé, ce bloops. Et j'ai pas remarqué mais on a 444 en pièces. 444. Vous avez sauvé un Toad. Pourquoi moi? Que m'arrive-t-il? Je ne verrai plus grand-père. Nous étions si heureux avant qu'il me jette un sort. Quoi, ce serait le garçon que le boss recherche? Oui, ça doit être lui. Je dois l'emmener au boss. Ah ah ah, comme je l'avais prévu, parfait. Ce garçon a-t-il vraiment des pouvoirs? Ce n'est pas important, le boss va être content. Eh bien, qu'est-ce? Burk, un parapluie tout seul. Ah, je ne peux pas le vendre, mais tout de même. Pourquoi pas, je peux le vendre, mais. Il
Je ne suis pas si fort, je n'ai pas autant de pouvoirs. J'ai juste les pouvoirs qu'on a pu voir durant tout le let's play et c'est déjà assez énorme. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder d'autres vidéos. Encore merci et bye.